Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de Celeste 2 et Saturne Apollo Justice Dual Destinies. On s'était laissé après un autre cliffhanger, hein, des verrous psychés noirs. Et apparemment, Phoenix n'a jamais réussi à déverrouiller ce genre de verrou psyché. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour aider notre chère Athéna. C'est parti. J'ai fait des recherches. J'en ai appris davantage sur les verrous psychés dont tu m'as parlé, monsieur Nick. C'est vrai, super ça. Merci pour ton aide. Un verrou psyché rouge protège un secret que l'on essaie de cacher consciemment. Si la personne craque pendant un interrogatoire, le verrou se brise et la vérité éclate. Ouais, c'est exactement ce qui s'est produit avec l'inspecteur Brillant et le directeur Cosmos. Par contre, un verrou psyché noir protège un secret profondément enfoui dans le cœur. Un secret dont la personne n'a même pas conscience. Elle ne sait donc même pas qu'il est là. Athéna ne cherche pas à te dissimuler quoi que ce soit. J'ignore pourquoi, mais elle a cloisonné certains de ses souvenirs. Même elle n'y a plus accès. Tout ce que j'ai à faire, c'est déverrouiller ces verrous psychés. D'après mes recherches, un verrou psyché noir est semblable à une lourde chaîne entourée autour du cœur. Si on l'arrache de force, il pourra infliger des séquelles irréversibles à l'âme de la personne. Si je ne fais pas attention, je risque de traumatiser Athéna pour de bon. Oh là là. Pearls, tu veux bien rester aux côtés d'Athéna? Le poids de son fardeau doit la faire énormément souffrir. Bien, mais tu vas réussir à t'en sortir tout seul, monsieur Nick? Hunter sera mon adversaire. Je vais devoir tout donner pendant ce procès. Et tu n'y arriveras pas si je suis là. Je te ralentirai. Non, pas du tout. Si je sais que tu es avec Athéna, je pourrais me détendre et me concentrer. Tu es la seule à pouvoir t'en occuper, Pearls. C'est d'accord. Je m'en charge. Bon courage, monsieur Nick. Ouf, maintenant que j'ai l'esprit serein, je ferai mieux de me préparer. Je vais faire le ménage dans l'épreuve et retirer celle dont je n'ai pas besoin. Je vais mettre un terme au cauchemar qui hante le monde judiciaire depuis 7 ans. La défense, l'accusation et le juge sont là. Il y a même des gens dans la tribune. Le toit s'est complètement effondré et les murs se sont écroulés. Mais aujourd'hui, ces ruines sont mon champ de bataille. Je déclare cette séance factice ouverte pour le civil procès d'Athéna Saïx. Cela n'a rien de factice, papy. C'est un procès tout ce qu'il y a de plus officiel. Prenez les choses au sérieux, sinon je broie les os des 6 000 otages en direct. Ne fâchez pas, mademoiselle la Benoît. Je vous en supplie. Je déclare la séance ouverte pour le très sérieux procès d'Athéna Saïx. Feu, ceci n'est pas un procès. Ce n'est rien de plus qu'une farce grotesque. Comment osez-vous? Hunter, n'avez-vous pas prêté attention à ce que je viens de dire à son honneur? Cela dit, cette farce grotesque revêt une signification particulière pour notre système judiciaire. Souvenez-vous de l'affaire... Souvenez-vous de l'affaire... Oh, j'aime pas quand il manque des mots, ça me perturbe. De l'affaire de l'UR1, où un procureur a été déclaré coupable de meurtre. Cette affaire nous a menés vers l'abominable hache sombre de la justice. Je vois où vous voulez en venir. Si nous dévoilons la vérité derrière cette affaire... Exactement, l'obscurité se dissipera et le système judiciaire retrouvera sa gloire d'antan. Procureur Hunter, vous parlez comme si vous connaissiez déjà cette vérité. C'est le cas, une nouvelle suspecte a fait son apparition dans l'affaire de l'UR1. Pendant 7 ans, Jacques Lamenoir a gardé le silence dans le but de couvrir quelqu'un. Accroche-toi, Phoenix, ça va secouer. Je suis désolée, White, mais les choses sont celles que... What? Les choses sont ce qu'elles sont. Je dois faire mon travail. L'accusation souhaite inculper Athéna Saïx pour homicide volontaire. Donna Tokidem, Zenlyok de Hikokunin o Tsuikyu suru. Sore ga watashi no ruru da.
受けて立つさ。それではこれより、木月ここねの法廷を開廷します。弁護側、準備完了しています。検察側、元より。J'adore la cinématique. La tension entre nous est palpable, ça n'a vraiment pas changé. Il est de mon devoir d'innocenter le procureur Lame Noire et d'arrêter cette mascarade. Mais je n'ai aucunement l'intention de perdre Mademoiselle Skakt. C'est une avocate très, très talentueuse. Je suis fermement convaincue de l'innocence d'Athéna. Mais je ne pense pas non plus que le procureur Lame Noire soit l'assassin. Le véritable coupable est un espion. Ça serait difficile d'en convaincre qui que ce soit si je ne suis pas convaincue moi-même. Mais c'est la seule solution pour sauver Athéna et la Lame Noire et démasquer l'espion. Bien, monsieur le procureur général Hunter, nul besoin de m'appeler procureur général, votre honneur. Je suis ici en tant que simple procureur. Très bien, à vous l'honneur de nous présenter votre déclaration préliminaire, monsieur le procureur. Bien que dernièrement, je me suis moi-même distingué dans l'élocution remarquable de certaines... Dans tous les procès que j'ai pu voir, il revenait à l'accusation de faire cette déclaration. Bien sûr, vous avez raison, je plaisantais pour détendre l'atmosphère. Ne faisais donc pas ces déclarations par peur, intéressant. Commençons par un bref résumé de l'affaire de l'UR1. L'incident s'est produit au Centre Spatial Cosmo il y a 7 ans, le 7 octobre. La victime, la psychologue Mehdi Sykes, a été tuée dans le labo robotique au 3e étage. La mère d'Athéna. Jacques Lame Noire, un jeune procureur au moment des faits, fut déclaré coupable du crime. Deux facteurs déterminants ont conduit à ce verdict. D'abord, Lame Noire était la seule personne dans le couloir du laboratoire lors du crime. Ensuite, nous avons cette photo qui capture le moment exact du meurtre. Ces pièces à conviction sont effectivement compromettantes. La seule conclusion semble être que le procureur Lame Noire a bien... Vous voulez rire? Je n'accepte pas ce genre de conclusion. La déclaration préliminaire est terminée. Dépêchez-vous d'appeler le témoin. Veuillez m'excuser, mademoiselle Lame Noire, mais nous devons suivre la procédure. Nous pourrions tout aussi bien lui obéir, votre honneur. Après tout, elle commandite ce procès. De plus, il fait froid dans cette salle. Vous allez vous faire mal au dos à force d'être assis. Oh, c'est fort aimable de vous préoccuper des personnes âgées. Elle est toujours aussi douée pour faire le marietoniste, à ce que je vois. L'accusation appelle son premier témoin à la barre. Un témoin qui a décidé de présenter un nouveau témoignage après cette longue année. Un nouveau témoignage? Qui peut bien être ce témoin? Athéna? Ah non, c'est lui. Ouais, je fais pas son... Mais que venez-vous faire là, vous? Que venez-vous faire là, vous? Je viens parler à la place de la preneuse d'otage, mademoiselle Aurore Lame Noire. Elle ne peut pas le faire elle-même, car trop occupée à menacer et à rire machiavéliquement. Ça ne l'empêche pas de mettre son grain de sel dans le procès via Calamitron. Je joue seulement le rôle de l'observatrice. Faites de votre mieux, je vous ai à l'œil. Puisqu'elle croyait en l'innocence de son frère, mademoiselle Lame Noire a mené sa propre enquête. Bien que ses actions actuelles soient illégales, nous devrions entendre sa théorie. J'ai à ma disposition les notes de mademoiselle Lame Noire au sujet de son enquête. Et je vais témoigner en les lisant à voix haute. C'est parti. La théorie d'Aurore Lame Noire. Jacques n'est pas l'assassin, il essayait de protéger quelqu'un. Mais une autre personne était sur les lieux au moment où Jacques aurait soi-disant commis le meurtre. S'il voulait vraiment voler cette pierre de lune, pourquoi utiliser le coffre à roulettes? Parce qu'il pouvait cacher quelqu'un à l'intérieur. Et la seule personne assez petite pour entrer dedans était Athéna Sykes.
Voilà qui conclut la théorie de Mademoiselle Lamenoire. Elle contredit totalement le verdict officiel. Pour ce qui est du coffre, il y en avait d'autres au laboratoire. Ils servent à déplacer des composants et des équipements. Je me rappelle avoir vu 3 coffres de tailles différentes. Lors du dernier procès, on supposait que Lamenoire l'avait utilisé pour voler la pierre. C'était pour une simple et bonne raison. Voyez-vous, une caméra de sécurité se trouve dans le couloir qui mène au laboratoire. Cette caméra a filmé Lamenoire en train de quitter la scène avec le coffre. Par un peu petit pour une personne. Je vois mieux pourquoi cet enregistrement a rapidement mis fin au procès. Pas doux, c'est très convaincant. D'ailleurs, ce coffre a ensuite été retrouvé à l'extérieur du centre spatial. Pour en revenir à l'incident, où a été retrouvé l'accusé Athéna Sykes ? Au 4e étage du centre spatial, dans la résidence familiale des Sykes. Le procureur Lamenoire l'y a sûrement amené après le meurtre. Il est bon de rappeler que personne ne sait où se trouvait Mademoiselle Sykes à l'heure présumée de la mort. Mademoiselle Sykes était bien trop perturbée par le décès de sa mère pour témoigner, et il n'y a pas de témoin ni de preuve pour nous révéler où elle était. Vous voulez donc dire que Mademoiselle Sykes n'avait pas d'alibi ? C'est ce que suggère les preuves, oui. Je vois où vous voulez en venir avec cette théorie, mais je suis loin d'être convaincue. La victime est la mère de l'accusé. Pensez-vous vraiment qu'une fillette de 11 ans... La petite avait un vrai mobile. Dr Sykes était une psychologue qui écrivait de nombreux articles sur le discours et les émotions. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Athéna Sykes possède une aptitude spéciale, votre honneur. Voulez-vous parler de ces thérapies ? Nous en avons régulièrement eu quelques aperçus ici. La capacité à lire les émotions dans la voix est le sujet d'étude de sa mère. Tant que c'est pour le bien de la société, je ne vois pas le problème. Je n'aime pas la tournure que ça prend, mais alors pas du tout. Matty Sykes était si passionnée par ses recherches qu'elle a forcé sa fille à y participer. Procureur Hunter, vous ne suggérez tout de même pas que... J'ai essayé d'être délicat, mais vous ne pouvez pas nier ceci, Monsieur Wright. Ne supportant plus d'être un rat de laboratoire, Mademoiselle Sykes n'a pas eu d'autre choix que d'assassiner sa propre mère. Du calme, silence dans la salle. Quelle histoire tragique, j'ai presque du mal à y croire. Mais continuons, c'est à vous, Monsieur Wright. Inspecteur Briand, référez-vous à vos notes. Ce n'est que conjecture, et il y a forcément d'autres possibilités. Dans ce cas, qu'est-ce qui était dans le coffre, à votre avis ? Je dirais qu'il y avait la pierre de lune. 3 coffres se trouvaient au laboratoire, mais le procureur Lamenoire a pris le plus grand. La pierre de lune était en forme d'œuf et faisait environ 20 cm de diamètre. Je ne vois pas pourquoi il aurait pris le plus grand coffre pour transporter une simple pierre. Quoi qu'il en soit, cela ne prouve pas que Mademoiselle Sykes était à l'intérieur. J'aimerais savoir ceci. Auriez-vous une meilleure théorie quant au contenu de ce coffre ? Alors, Monsieur Wright, répondez. Ouh là là, laissez-moi réfléchir un peu. Voyons, devrais-je bluffer pour leur faire croire que je sais ce que contenait le coffre ? Ouais, vas-y, on va tester. Hein. J'ai une chance sur deux, de toute façon. Je peux vous dire avec certitude ce que le procureur Lamenoire transportait. Faut juste trouver un truc qui manquait, non ? Pas de panique. On n'est pas du tout dans la merde. Hein. Oh, j'aimerais connaître votre théorie, enfin, si elle est fondée. Ceci est bien une photo de la scène de crime, prise après le départ de Lamenoire. Nous n'avons qu'à la comparer avec cette photo du procureur Lamenoire pour voir ce qui manque. S'il a pris quelque chose avec lui, cette chose devrait être sur l'une des photos. Pourvu que la chance me sourie. Entendu, Monsieur Wright. Donnez-nous votre théorie. Qu'a pris le procureur Lamenoire sur les lieux du crime ? On va sauvegarder parce qu'on est un peu dans la merde. Ok. «
Je sais pas si c'est ça. Ça, peut-être. Je me trompe de bouton. Ça. Sur cette photo, vous remarquerez qu'il y a une pièce de robot sur le chariot. En revanche, cette pièce n'est plus là sur la photo prise après le meurtre. Ce qui signifie que cette pièce a été prise sur la scène de crime. C'est la raison. Je ne la vois pas sur l'autre photo. Ce n'est qu'un bout de ferraille, c'est sans importance. Est-ce vraiment une pièce détachée anodine? En parlant de robot... Que regardez-vous comme ça? Détournez les yeux avant que je ne vous les crève. Exagère, j'ai rien fait de mal. Votre honneur, au sujet de cette pièce détachée, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble en tout point au bras de ce robot là-bas? Oh, maintenant que vous le dites, cela m'en a tout l'air. N'en demeure pas moins que le coffre est trop grand pour une pierre de lune et un bras articulé. Mais y avait-il uniquement un bras là-dedans? Si Athéna n'était pas dans le coffre, alors peut-être que... D'après moi, il y avait un autre robot sur les lieux, il ressemblait à celui que nous avons ici. Votre honneur, la défense affirme que cet autre robot était dans le coffre. Comment? Nous pouvons affirmer avec certitude que cette pièce provenait d'un robot. Certes, elle ressemble au bras du robot ici présent, mais cela pourrait être tout autre chose. J'ajouterai qu'elle est enveloppée de bandages, ce qui nous permet pas de l'identifier précisément. C'est un bras de robot, j'en suis certain. Je peux même vous dire à quel robot il appartenait, rien qu'en le regardant. Grâce à cette information, nous pouvons vérifier s'il était là au moment des faits. Par ma barbe, moi qui pensais que vous n'y connaissez rien en technologie, monsieur... que vous n'y connaissez rien à la technologie, monsieur Wright. Quand êtes-vous devenu un expert en la matière? Je me sens comme abandonné. Je vous rassure, votre honneur, les machines revêtent toujours un linceul de mystère pour moi. Mais je sais que cette pièce à conviction prouve à quel robot le bras appartenait. Où est-ce qu'elle est? C'est celle-là, non? Ouais, c'est celle-là. Le robot sur cette image s'appelle Amitron. Regardez le bras d'Amitron. Il a été pensé par Mademoiselle Sykes. Elle pensait sans doute que les machines pouvaient être soignées comme des êtres humains. Une erreur tout à fait adorable. Voilà qui me rappelle mon petit-fils. Le bras robotique sur la scène de crime était enveloppé dans le même bandage. En d'autres termes, ce bras ne pouvait appartenir qu'à Amitron. Silence, du calme je vous prie. Procureur Hunter, qu'avez-vous à répondre à cela? Je vais admettre que le robot fait à peu près la même taille qu'un enfant. Mais il est incapable de prendre ses genoux et de se mettre en boule. Même s'il était question du plus gros coffre, le robot n'aurait jamais pu entrer dedans. On voit que le coffre arrive à mi-cuisse du procureur Lamenoir. En effet, le robot est bien plus grand que ça. Bien nul, là. Dans ce cas, Lamenoir a-t-il fait entrer Amitron dans le coffre en la démontant? En pactant, ça serait un peu cruel quand même. Amitron aurait pu entrer, le procureur Lamenoir n'avait qu'à la démonter. Une fois le robot désassemblé, ce dernier pouvait facilement rentrer à l'intérieur. Quelqu'un peut sordide, mais Monsieur Wright marque un point. Tiens, vous rappelez qu'un corps était sur la table qui sert à monter et démonter les robots? La meneur n'aurait pas eu de place pour désassembler le robot. Si cela n'avait pas eu lieu sur la table, et si le katana avait été utilisé? Vous voulez parler de cette épée? Oui, votre honneur. Mademoiselle Lamenoir, j'aimerais avoir votre avis scientifique. Un katana aurait-il pu servir à désassembler un robot? J'imagine que oui. Leurs articulations ne sont pas des plus solides,
Une lame pourrait aisément les trancher. Je vous remercie pour votre opinion d'experte, mademoiselle Lamenoir. Grâce à vous, nous savons que le bras coupé sur cette photo démontre clairement le démontage d'Amitron. Et puisque nous n'avons pas trouvé les restes du robot sur la scène, nous pouvons en conclure que le sens véritable de la photo est tout autre. Vous pensez donc que... C'est exactement ce que je pense. Cette photo ne montre pas le moment du crime. Elle représente plutôt l'instant qui suit le démembrement du robot. Le sang sur le bras découpé provient du katana ensanglanté. Et j'imagine que le reste d'Amitron se trouve au pied de la manoir. C'est n'importe quoi. Par conséquent, le coffre ne comptait pas l'accusé, mais un robot. Mademoiselle Sack n'a jamais été présente sur la scène au moment du meurtre. Ma tête, mon corps, où suis-je? Ah! Silence, silence dans la salle. J'avoue avoir retrouvé Amitron en 1000 morceaux après le meurtre. Et je l'ai réparé moi-même par la suite. Tout du crime mis à jour. Super, j'arrive enfin à avancer. J'espère me rapprocher de mon objectif, qui est de prouver l'innocence d'Athéna et de la Menoir. Bien joué, monsieur White. Vous êtes allé droit au but. Je reconnais que l'accusé n'était pas dans le coffre à roulettes. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je le sens un peu mal, là. L'accusation prétend-elle toujours que l'accusé a été évacué de la scène? Oui, votre honneur, je campe sur mes positions. Mais Amitron et mademoiselle Sykes ne pouvaient pas être dans le coffre en même temps. La théorie de mademoiselle Sykes dans le coffre venait de mademoiselle Lamenoir. J'ai une toute autre opinion depuis le début. Je peux enfin exprimer ma théorie. À court, pardon. Ok, il se passe des choses avec mon micro, absolument désolé. S'il y a une qualité de merde, j'y suis pour rien, ok. Et ça, grâce à la défense. Hunter, il avait une longueur d'avance sur moi, le bougre. D'après vous, comment l'accusé a-t-elle quitté la scène? C'est simple, l'enregistrement montre la manoir de dos. Qui plus est, il tient le bras devant lui, comme s'il portait quelque chose ou quelqu'un. Cela ne prouve rien. J'ai pourtant une preuve. Le manteau que portait le procureur Lamenoir. Le sang de la victime a été retrouvé sur le devant et la tache avait une forme caractéristique. Une tache de sang, de forme caractéristique, poursuivait procureur Hunter. Il y a 7 ans, l'accusé portait constamment un certain objet qui est unique au monde. Un casque conçu sur mesure pour sa petite tête. Elle portait toujours ce gros casque qui avait l'air très lourd. Sa mère l'avait fait pour elle, apparemment. Ça faisait partie de ses recherches. D'après analyse, la tache de sang était de la même forme que ce casque. Autrement dit, ce n'était pas une simple éclaboussure de sang. Le sang est passé du corps de la victime au casque, puis il s'est retrouvé sur le manteau de la menoir, tel un tampon. Un tampon macabre, si je puis dire. La menoir a porté mademoiselle Sykes qui était ensanglantée pour la faire sortir du labo. Voilà qui prouve sans conteste qu'Athéna Sykes se trouvait sur les lieux du crime. Ceci conclut la théorie de l'accusation. Alors. Silence, si l'accusée était présente, cela renforce les soupçons qui pèsent sur elle. Mais nous avons également démontré que le robot était aussi sur les lieux. Vous ne comptez tout de même pas nous faire croire que ce robot était le véritable assassin? Ce n'est pas ce que je pense, mais cela reste une éventualité. Inspecteur Brion, a-t-on interrogé le robot à l'époque? Non. D'après moi, on a dû juger que ce n'était pas lié à l'affaire. Venons pourtant d'apprendre que ce robot y était étroitement lié. Votre honneur, la défense souhaite appeler Amitron à la barre.
Un robot comme témoin ? Aromnit. Du calme, je vous prie. Procureur Hunter, qu'en pensez-vous ? Au fil des années, Monsieur Wright a convoqué toutes sortes de témoins. Alors pourquoi pas un robot ? Avec lui, plus rien ne m'étonne. Fort bien, j'autorise ce témoin. Officier, faites venir le robot à Mitron. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession. Je ne m'appelle pas témoin, je m'appelle Amitron. Oui, je l'ai bien compris, mais lorsque vous êtes à la barre, vous êtes un témoin. Non, pas du tout. Je suis Amitron, répétez après moi, Amitron. Ce petit robot est vraiment intraitable. Ça, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ça me fait penser à mon petit-fils qui vient d'apprendre son prénom, c'est adorable. Amitron, je vais vous poser quelques questions. Des questions ? Pour moi ? Hourra ! Posez-moi vos questions. Elle est trop mignonne. J'aimerais savoir si vous étiez sur la scène du meurtre de Métis Sykes. C'était il y a 7 ans dans le laboratoire de robotique le 7 octobre vers 14h. Certainement. Un instant. Recherche en cours. Recherche terminée. Oui, j'étais bien dans le laboratoire de robotique. Somme toute, le témoignage de ce robot pourrait s'avérer pertinent. Parfait, j'étais certain qu'Amitron avait vu quelque chose d'important. Un meurtre a été commis sous les yeux de cette pauvre enfant, c'est honteux. Le juge semble prêt à adopter Amitron en tant que sa petite fille. Bien, ma petite Amitron, pourriez-vous nous faire part de votre témoignage ? Ce que j'ai vu. Vers 14h, je suis allée dans le laboratoire de robotique pour me recharger. À ce moment-là, Athéna est entrée pour faire un câlin à Maman Métis. Puis Maman Métis est tombée. Après ça, mon mode veille s'est activé, je n'en sais pas plus. À la fin de ma recharge, j'ai fait le ménage dans la pièce, c'est alors que Monsieur Jack est entré. Ensuite, une erreur s'est produite, je n'ai plus aucune donnée à partir de là. Bien, la présence de l'accusé sur les lieux ne fait plus aucun doute. Cependant, le témoin ne semble pas avoir vu le moment du meurtre. Je ne suis pas d'accord, ce témoignage nous montre que l'accusé a bel et bien commis le crime. Pardon ? N'oublions pas que ce témoin est une machine. Sa compréhension et sa faculté d'expression de robot sont limitées. Que sous-entendez-vous au juste ? Nous devons interpréter les déclarations de votre témoin. Par exemple, le terme câlin, puis tomber. D'habitude, les adultes ne tombent pas après avoir été étreints par un enfant. En effet, ça dépend. Mais... Oui, en réalité, ce témoin veut nous dire... Qu'à ce moment-là, l'accusé a poignardé la victime avec l'arme du crime. Avant que Mademoiselle Sykes n'enlace la docteure, ont-elles discuté toutes les deux ? Oui, elles ont parlé très fort, mais j'ignore de quoi. En temps normal, Athéna est toujours calme, alors ça m'a étonnée. Elles ont parlé très fort, nous pouvons en déduire qu'elles se sont disputées. Je vois, un meurtre qui fait suite à une altercation, puis la victime est tombée. Cette interprétation a l'air convaincante. Néanmoins, Amitron ne se souvient pas de ce qui s'est passé après ceci. Dans ma recherche, je passe en mode veille. Mais avant ça, je ne me souviens de tout. Je me souviens de tout. J'ai une excellente mémoire. Vous ferez mieux de vous avouer vaincu, Wright. Il est inutile de mener un contre-interrogatoire. Absolument pas. Les contre-interrogatoires sont toujours utiles. À part aujourd'hui. Réfléchissez un peu. Les robots ne savent pas mentir. Ce robot est à la fois un témoin important et une preuve précieuse. Quoi qu'il en soit, j'insiste pour mener mon contre-interrogatoire. Fidèle à vous-même. Cela ne vous a jamais rebuté de perdre du temps. C'est un peu le seul truc qui nous fait gagner, en fait. Entendu. Même si c'est une perte de temps, vous pouvez y aller, Monsieur Wright. Je vais vous montrer à tous les deux l'intérêt du contre-interrogatoire. Ouais, d'abord. Aller trop loin, mais... Pourriez-vous nous dire comment était la victime à ce moment-là ? Quelle était sa réaction ?
Maman Métis était très surprise. J'ai entendu son cœur battre la chamade. Son cœur? Monsieur Wright, aurez-vous oublié ce document que nous avons trouvé dans le laboratoire? Ces robots possèdent un capteur de rythme cardiaque. Ah, mais oui, j'avais lu quelque chose à ce sujet. Grâce au battement du cœur, ouais. Un instant, ça veut dire que si le docteur Sykes est vraiment morte à cet instant... Amitron, comment était le docteur Sykes après sa chute? Pouviez-vous percevoir son rythme cardiaque? Recherche. Au moment de sa chute, son cœur battait fort. Après ça, aucune idée. C'est à cet instant que j'ai commencé à me recharger. C'est vraiment pas de chance si vous aviez entendu quelque chose après ça. Cela nous aurait prouvé que le meurtre n'avait pas eu lieu lors de l'étreinte. Je suis navrée, je ne sais pas du tout. Je suis navrée. Ce n'est pas la faute de son repos, son mode veille s'est déclenché automatiquement. Mais il a bien détecté une accélération du rythme cardiaque lors du coup de l'arme blanche. Le cœur de maman Métis battait fort lorsqu'elle est tombée près de la fenêtre. C'était la fenêtre ronde, celle du côté de l'établi. L'établi? Elle doit parler de cette table située à droite, de là où se trouve actuellement le robot géant. Cette déclaration d'Amitron comporte-t-elle un élément crucial? Oui. Genre... l'opposé de la pièce, quand même. Votre honneur, cette déclaration est à mon sens cruciale. J'aimerais l'ajouter au témoignage. C'est d'accord. Amitron, pourriez-vous ajouter votre dernière déclaration à votre témoignage? Brave petite. Je l'adore, le juge. Ma métisse est tombée près de la fenêtre ronde à côté de l'établi. Et maintenant, si je me souviens bien... Enfin, si je me souviens bien. Non, je me souviens pas, mais... Enfin, je me souviens de la photo, c'est ça que je veux dire. Si je me souviens bien... Celle-là, non? Je suppose, j'espère. Amitron, je viens de faire une découverte grâce à votre déposition. Je vous ai aidé? Ouais, je suis trop contente. Elle est trop mignonne. Revoyons les faits. Voulez-vous bien? Vous voulez bien, pardon. Voulez-vous bien? La victime est tombée près de la fenêtre du côté de l'établi. Cependant... son corps a été retrouvé sur la table d'opération. Mais la table d'opération et l'établi ne sont pas du tout au même endroit. C'est exact, votre honneur. Cette nouvelle information est d'une importance capitale. Qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel écart? Je vais vous le dire. La victime a bougé. L'accusé a déplacé le corps. Attends. La victime a bougé ou l'accusé a déplacé le corps? Une fillette de 11 ans n'aurait pas été capable de déplacer le corps d'un adulte. Voici la seule explication. La victime s'est déplacée elle-même vers la table d'opération. En d'autres termes, ce qu'Amitron a aperçu près de l'établi n'était pas le moment du meurtre. Pfiou, vous me rassurez. Je suis soulagée d'apprendre que la petite Amitron n'a pas assisté au meurtre. Oui, comme nous l'indique le témoignage, Mademoiselle Sykes a simplement fait un câlin à sa mère. Je le répéterai pas. 8 années se sont écoulées et vous vous comportez comme un bleu. Un bleu? Monsieur Wilde porte un costume bleu, mais je ne vois pas le rapport avec notre affaire. Monsieur le juge. Votre incrédulité m'épate toujours. Ma couleur préférée, mais je n'ai quand même plus rien de... Mais je n'ai quand même plus rien d'un bleu. Ah, j'aime bien le bleu aussi. J'hésite entre le mauve et le bleu, je sais pas lequel je préfère. Sûrement, rien à voir. Si l'accusé n'a pas déplacé le corps elle-même, quelqu'un l'a peut-être aidé. Et qui donc? Le docteur Sykes et sa fille étaient seuls dans la pièce. C'est exact, puisque ce robot est équipé d'un capteur de rythme cardiaque. Si quelqu'un d'autre était dans la pièce, il l'aurait tout de suite su. Enfin, sauf s'il en veille, non? Par conséquent, l'accusé et la victime étaient les seules personnes présentes. À votre avis, quoi donc a pu déplacer le corps? Qui donc? Quoi donc a pu déplacer le corps? J'ai pas vu.
Ne savez-vous pas qu'il est dans la nature d'un robot d'aider les gens, Mademoiselle Amignon? J'ai une question pour vous. Je m'appelle Amitron. Répétez après moi. Amitron. Vous nous avez bien dit que vous faisiez le ménage après la chute de la Dr. Sykes. Auriez-vous déplacé une chose lourde jusqu'à la table d'opération? Oui, oui, je l'ai fait. Athéna me l'a demandé. Elle vous l'a demandé? Et qu'avez-vous déplacé, jeune Amitron? Je ne sais pas. Sans le badge, il m'était impossible d'identifier de quoi il s'agissait. Le badge? De quoi parlez-vous? Ah, ça serait horrible qu'elle ait voulu soigner sa mère avec la machine d'assemblement de robots, quand même. Ça serait horrible. Oh, mon Dieu, le trauma. Bah, tu m'étonnes qu'elle ait des verres optiques noirs. Le badge, de quoi parlez-vous? Le badge avec le code barre? En les scannant, je peux identifier de quoi il s'agit. Le document trouvé au labo abordait également ce sujet. Il était écrit « Reconnaît les gens en scannant le badge sur leur combinaison ou leur veste. » Mademoiselle Amignon ne peut donc pas identifier ce qu'elle a déplacé. Je m'appelle Amitron. Mais nous autres humains pouvons imaginer ce que c'était, n'est-ce pas? Ah bon? Ceux qui ont un brin de jugeote, en tout cas. Mademoiselle Amignon, sur ordre de l'accusé, a déplacé le corps jusqu'à la table d'opération. Amitron, avez-vous réellement déplacé le corps de la Dr. Sykes? C'est extrêmement important. Vous ne vous souvenez vraiment pas? Non, je l'ignore. Sans le badge, je ne peux pas savoir de quoi il s'agissait. Vous fatiguez pour rien, monsieur White, pardon. Si le cœur de la victime s'est arrêté, le capteur de robot n'aurait servi à rien. De plus, la Dr. Sykes portait toujours une blouse blanche au travail. La veste avec le badge était sur une chaise dans le laboratoire de robotique. Elle ne la portait que pour les grandes occasions. En résumé, la victime ne portait pas de badge au moment des faits. Du point de vue du robot, son corps n'était qu'une simple charge inerte. Mais Amitron est équipée d'un système de reconnaissance faciale. Si elle avait déplacé le corps, elle aurait immédiatement reconnu le Dr. Sykes. Mais elle ne l'a pas reconnu. Donc... On peut facilement cacher un visage avec un tissu, un masque ou autre. Sans voir les traits du visage de la Dr. Sykes, le robot aurait été inapte à la reconnaître. Il n'a pas tort. En somme, Mademoiselle Sykes a poignardé sa mère près de l'établi. Puis à l'aide du robot, elle a déplacé le corps vers la table, où elle a retiré le katana et s'est couverte de sang. Le katana est un peu long, non? Un peu grand pour elle, non? Du calme, si c'est bien le cas, je me pose une question. Pourquoi l'accusée a-t-elle déplacé le corps jusqu'à la table d'opération? Vous voulez une raison? Très bien, je vais vous en donner une. Comment? C'est du bluff, vous ne pouvez pas l'expliquer. Vos émotions occultent la vérité. Nos amis robots pourraient vous apprendre bien des choses. Réfléchissez et ouvrez les yeux, Monsieur Wright. La vérité est juste devant vous. Bien, vous rappelez-vous la particularité de cette table d'opération? Il me semble avoir lu qu'on y monte et démonte les robots, c'est bien cela? Oui, c'est cela même. Et aux yeux de l'accusé, qui n'était qu'une fillette à cette époque, la table ressemblait à une boîte magique qui faisait apparaître ou disparaître des robots. J'espère tellement que c'est pas ça. Oh pardon, cette jeune fille avait du mal à différencier les robots des humains. Regardez le bras d'Amitron, il a été pensé par Mademoiselle Sykes. Ah oui, peut-être encore un...
Mademoiselle Sykes a commis une erreur naïve et cruelle. Pour elle, si un robot pouvait être démonté et disparaître sans laisser de traces... Procureur Hunter, si vous vous apprêtez à dire ce que je pense, je vous demande de le formuler avec la plus grande délicatesse. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je ne peux que présenter les faits. L'accusé a placé le cadavre de la victime sur la table d'opération. Non, n'en dites pas plus, arrêtez-vous là. C'est horrible. Pour désassembler les preuves et s'en sortir en toute impunité. Ce n'est pas possible. Plutôt réassembler les preuves. Silence, silence dans la salle, silence. Hunter, ce n'était qu'une gamine, comment oses-tu proférer de telles horreurs? Des horreurs? Je me répète, Monsieur Wright, mais vous vous comportez comme un vrai bleu. Je suis ici pour trouver la vérité, ni plus ni moins. Ma théorie n'est que le résultat d'une étude rationnelle de chaque possibilité. Le désassemblage n'est pas la seule fonction de la table, elle peut aussi réparer. Il est possible que Mademoiselle Sykes ait déplacé sa mère sur la table afin de la réparer. Vous pourriez interpréter cela de plusieurs façons. Le résultat est le même de toute façon. Que ce fût un démontage ou une réparation, cela ne change rien. Qu'entendez-vous par là? Après avoir assassiné sa mère, Mademoiselle Sykes a peut-être repris ses esprits. Elle a certainement voulu se convaincre que rien ne s'était passé. Voilà pourquoi elle a essayé de réparer sa mère. Oui, c'est une explication plausible. Mais... revenons-en au fait de notre affaire. La victime est tombée peu après avoir été étreinte par l'accusé. Puis le corps a été déplacé à la demande de cette dernière. Ces deux faits qui incriminent Mademoiselle Sykes demeurent inchangés. C'est pas vrai. Monsieur Wright, avez-vous des preuves pour réfuter ce qu'avance l'accusation? Des preuves? Eh bien, voyons, je n'ai rien de rien. Malheureusement, je n'ai rien à vous présenter. Depuis que je suis procureur général, j'ai compris que la vérité n'était pas toujours belle à voir. Vous devez l'accepter, Monsieur Wright. Votre employé a tué sa propre mère. Votre honneur, l'accusation exige un verdict. Les otages ont bien assez souffert. Conclusion terrible et tragique, que la défense n'a rien à redire. Je vais mettre un terme à ce procès. L'argument de Hunter a l'air imparable, mais Athéna n'aurait pas pu commettre ce crime. Que faire? Je dois bien pouvoir le réfuter. Je suis complètement désemparée. Enfin, tu vas nous dire des trucs? Procureur Lamenoir? Je vois que vous avez monté un cirque ici, sans mourir de rire. Procureur Lamenoir, que signifie donc ceci? Je parle de votre argument qui part d'un postulat entièrement erroné. Continuez, nous vous écoutons, serait-ce le miracle que j'attendais? Et qu'essaie de faire le procureur Lamenoir au juste? De la protéger, je suppose. Cette année, pendant 7 longues années, je n'ai eu de cesse de penser à cette affaire. Elle n'a pas quitté mon esprit un seul instant. C'est moi qui ai tué ma mentor, rien ne pourra jamais changer cela. Votre alopécie, je vais passer à la barre, et vous ne pourrez pas m'en empêcher. Et vous ne pourrez m'en empêcher. Bien sûr, procureur Lamenoir, faites donc. Ok. Alors, premièrement, on va sauvegarder. On va sauvegarder, mais sur une autre partie. Voilà. 7 ans plus tôt. Je suis allée au centre spatial Cosmos avec l'intention d'assassiner le Dr. Sykes. À mon arrivée, dans le laboratoire de robotique, Athéna s'y trouvait, seule. Voulant à tout prix accomplir mon dessein, j'ai attendu le retour du Dr. Sykes. De Dr. Sykes. C'est alors que j'ai commis l'acte. Et c'était cathartique. Hein? C'était cathartique, pardon. Mais notre petit ami Tron a vu la victime tomber, ce qui signifie... Je ne veux pas le savoir, vieillard. Je peux très bien deviner ce qui s'est passé. C'est-à-dire... Si elle est tombée, elle est juste tombée, rien de plus. Une mère et son enfant qui plaisantaient. Elle a sans doute trébuché. Mais qu'importe, lorsque je suis entrée, il n'y avait aucune trace de la Dr. Sykes. Ni de son cadavre, bien évidemment. Elle avait dû quitter la pièce. Alors le meurtre s'est déroulé après le moment décrit dans le témoignage à Mitron.
Vous devriez faire cas des paroles d'un pantin mécanique. Alors pourquoi l'accusée a-t-elle demandé au robot de déplacer quelque chose ? Athéna jouait souvent avec les robots sur la table d'opération. Et elle faisait toujours déplacer les plus lourds par Amitron. Cette journée ne faisait pas exception. Amitron a déplacé un robot trop lourd pour Athéna. C'est atroce, ces déclarations semblent faire sens pourtant. Procureur Lamenoir, seriez-vous encore en train de tourner le doigt à la vérité ? Ne réalisez-vous pas que nous pourrions mettre un terme à l'âge sombre de la justice ? Vos attentes sont démesurées, je ne suis qu'un meurtrier irrécupérable. Laissez-moi partir et commencer mon séjour au sein du royaume des morts. Ah ! L'exécution du procureur Lamenoir est prévue pour demain. Si on ne dévoile pas la vérité, tout est fini. Après vous, la petite fille et le petit robot n'ont rien à voir avec ce meurtre ? Précisément, nous écoutons maintenant votre verdict. Si nous ne nous hâtons pas, je vais rater mon ferry pour franchir le Styx. Ne faites pas cela, monsieur le juge. N'oubliez pas les otages. Et Jack, tu vas la protéger encore longtemps ? Il y est pour rien non plus. Mademoiselle Amenoir, pardonne-moi, Aurore. Je ne t'ai jamais demandé de faire une telle chose pour moi. Vous avez tous accepté de participer à ce procès. Si vous avez un contre-argument, présentez-le. Telle est la loi de la salle d'audience. N'ai-je pas raison, monsieur le procureur général ? Amenoir, vous n'êtes qu'un égoïste. Pour être honnête avec vous, tout ceci ne me plaît guère, mais je dois prendre une décision. Si personne n'a de contre-argument, je vais devoir annoncer mon verdict. Quel enfer ! Ça va vraiment se terminer comme il y a 7 ans ? Laisser faire ça. Je n'ai aucune preuve pour réfuter le témoignage du procureur Lamenoir. Oh, coucou. Athéna, qu'est-ce que... Tu vas bien ? Je l'entends. J'entends la voix de son cœur. Il cache quelque chose. Si c'est vrai, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Son pouvoir pourrait nous sortir de cette galère. Mademoiselle Sykes, inutile d'intervenir, acceptez simplement votre innocence. Au cours des 7 dernières années, j'ai moi aussi beaucoup souffert, vous savez. Que racontez-vous ? Vous vous en souvenez ? De cet horrible procès. C'est ici que je vais sauvegarder sur l'autre partie. C'est que du... Écoutez-moi, par pitié. Ce n'était pas lui. Écoutez son cœur, il ne l'a pas tué. Aujourd'hui encore, quand j'entre dans une salle d'audience, ce souvenir vient me hanter. J'avais beau m'exprimer, personne ne m'écoutait. J'étais seule au monde. Face à tous ces regards, j'avais si peur et ma poitrine était comme prise dans un étau. La salle d'audience me terrorise. Mais là... Même là, j'ai envie de prendre les jambes... Ouf, même là, j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou. Malgré tout ça, tu as pu tenir tes peurs à distance et devenir avocate. Ce jour est enfin arrivé, le jour que j'attendais de tout mon cœur. C'est pour ça que je suis devenue avocate et que j'ai étudié la psychologie. J'ai fait tout ça pour vous disculper de cette fausse condamnation. Mademoiselle Sykes, vous rendez-vous bien compte de ce que cela implique ? Dans cette affaire, vous êtes l'accusée, et si vous prouvez l'innocence du procureur Lamenoir, tout ce qui compte, c'est la vérité, et mon devoir est de la découvrir. Jack, s'il vous plaît, donnez-moi cette chance. La chance de chasser cette peur qui me ronge depuis 7 ans, et d'affronter la vérité.
Kana est si forte d'affronter son passé de la sorte. Je sens que ça pourrait être notre dernière chance de les sauver tous les deux. Gerard Lamenoir témoignait une nouvelle fois sur l'incident survenu il y a 7 ans. Très bien, mais vos efforts seront vains, croyez-moi. Je ne suis pas un homme qui se laisse facilement abattre. Ok, bon, je vais peut-être le faire re-sauvegarder avant le témoignage. À nous deux, Jack. Faites-moi écouter la voix de votre cœur. Et je vais sauvegarder ici. Je suis allée au centre spatial Cosmos avec l'intention d'assassiner la Dr. Sykes. À mon arrivée dans le laboratoire robotique, j'ai trouvé Athéna. Et voulant à tout prix accomplir mon dessein, j'ai attendu le retour de la Dr. Sykes. Alors que j'ai commis l'acte, et c'était cathartique. J'ai toujours pas ce que ça voulait dire cathartique. Mais... Sentiment de joie, la personne que vous cherchiez n'était pas là, mais vous étiez heureux, pourquoi cela? J'étais à la recherche d'Athéna, mais ne l'ayant pas encore trouvée, je me suis inquiétée. Conséquent, lorsque je l'ai vu, j'ai ressenti du soulagement, voilà tout. Vous venez de nous dire que vous vous rendiez au centre spatial pour tuer le Dr. Sykes, ce qui ne concorde pas avec cette déclaration. Je ne voulais pas impliquer Athéna. Aussi, me suis-je simplement assuré qu'elle était en sécurité. Cela faisait partie de mon plan, il n'y a rien de contradictoire là-dedans. Même où je trouve une incohérence, il l'a réduit en pièces. Jack connaît les principes de la psychologie analytique. Je perçois moins d'interférences, mais aucune instabilité à laquelle se raccrocher. M'en doute un peu. On va continuer à le cuisiner jusqu'à le faire craquer. Pourrais-tu mettre son témoignage à jour, Athéna? À vos ordres, patron. J'étais soulagée de trouver Athéna au laboratoire de robotique. Et voulant à tout prix accomplir mon dessein, j'ai attendu le retour de Dr. Sykes. À ce moment-là, je l'ai transpercé avec le katana. Et maintenant, t'es triste. Oh, c'était dur. Même vous ne pouvez falsifier vos émotions, procureur Lamenoir. Pardon? Dans votre témoignage, lorsque vous avez dit avoir tué le Dr. Sykes, vous avez ressenti de la peine. Pourquoi un assassin serait-il triste face à la mort de sa victime? Tellement prévisible. Je reconnais avoir ressenti de la peine, mais pas pour elle. J'étais navré pour Athéna et sa situation. J'espère qu'il ne parle pas de ça, hein. L'objectif était de délivrer Athéna, d'une scientifique obsessive qui traitait sa propre fille comme un cobaye. Quoi? J'ai d'abord dirigé vers le laboratoire, c'est là qu'Athéna avait l'habitude de jouer. Ce jour-là n'était pas comme les autres, j'ai entendu des pleurs derrière la porte. Athéna faisait-elle l'objet d'une énième expérience? Et je pensais en entrant. Par chance, Athéna s'était endormie en pleurant. Je n'ai eu qu'à patienter et commettre le crime. Voilà qui explique son soulagement en voyant Athéna. Mais cette histoire est-elle vraie? Je ne suis pas certain d'y croire à 100%. Monsieur Wright, comment vas-tu, Athéna? Tu tiens le coup? Je suis bien plus forte qu'il n'y paraît, patron. Oh, regardez, le niveau d'interférence vient d'augmenter. Vraiment? C'est la première fois que je vois ça. Le procureur Lamenoir ment dans son témoignage. D'ailleurs, il ne raconte que des mensonges pour donner de la crédibilité à ses allégations. Et puisqu'il réprime ses vraies émotions, cela provoque encore plus d'interférences.
comment devrais-je m'y prendre? Je pourrais me servir des preuves si je parviens à trouver une contradiction. Bien chercher une incohérence dans ses émotions. Le témoignage n'a aucune faille et sa chauveté est prête à rendre son verdict. Renoncez à votre cause perdue et laissez la justice me délivrer de mes chaînes. Je ne crois pas, non. Pas tant que je porte mon badge. Témoignage contradictoire ou les émotions incohérentes? Que choisir en premier? Ses émotions. Bon, cherchons des incohérences dans ses émotions. Ça marche, patron. Mais si vous préférez chercher une déclaration contradictoire, dites-le moi, on changera de méthode. J'ai entendu des pleurs de l'autre côté du mur. Cela n'aurait-il pas inquiété? J'ai alors empressé d'ouvrir la porte du laboratoire de robotique. C'est curieux. Pourquoi étiez-vous surpris en ouvrant la porte du laboratoire? Il semble que je doive tout vous décortiquer. Ce qui m'a surpris n'était autre que Amitron. Ce pantin m'a attaqué. Docteur Sykes était au courant pour ma mission de sauvetage. Il ne pouvait pas surveiller sa fille 24 heures sur 24. Amitron vous a donc attaqué sur ordre du Docteur Sykes? Absolument. Elle a ordonné à Amitron de m'expulser de force. J'ai donc tranché Amitron avec le katana qui se trouvait dans le laboratoire. Une vieille marionnette comme elle n'était pas digne de cette belle lame. Monsieur Wright, ça recommence. Il y a encore plus d'interférences qu'avant. À 100%, c'est la pagaille. Dès qu'on trouve une faille, elle surenchérit avec d'autres mensonges. À ce train-là, on n'arrivera jamais à faire disparaître les interférences. C'est extrêmement difficile de raconter autant de mensonges cohérents. Sa volonté est aussi fine et aiguisée qu'une lame de katana. Katana. Alors, que devrais-je privilégier cette fois? Son témoignage, non? À mon avis, une incohérence se trouve dans le témoignage du procureur Lamenoir. D'accord, examinons-la attentivement alors. C'est ça. Accumuler les mensonges n'est pas une solution, procureur Lamenoir. Observez cette photographie. Elle est censée représenter le meurtre, n'est-ce pas? Combien de fois allons-nous devoir ressasser ce péché pour lequel j'ai été condamné? Plus ironique là-dedans, c'est que cette photo va très certainement sauver votre peau. Voyez-vous la tache de sang au bout du bras d'Amitron, là où il a été coupé avec le katana? Vous ne comptez pas nous annoncer qu'il s'agit du sang du robot, monsieur Wright. Mais non, vraisemblablement, ce sang venait du katana ensanglanté. Et il y avait déjà du sang sur le katana, alors il devait provenir de la victime? Exact, mais dans ce cas, nous avons trouvé une belle incohérence. Vous avez affirmé avoir découpé Amitron avant de tuer Dr. Sykes. Et sur cette photo, le sang de la victime attachait le bras d'Amitron. Comment? Ça ne devrait pas être possible. Tout juste. Afin que le sang se transfère de l'épée au bras robotique, la victime aurait dû être poignardée avant que le robot ne soit lacéré. Autrement dit, procureur Lamenoir, l'intégralité de votre témoignage n'est que pure fabulation. Dites la vérité à la cour, procureur Lamenoir, immédiatement. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous êtes en train de faire. Oh, sa voix, je détecte tellement de dissonances. Je n'entends pas qu'une ou deux émotions incontrôlables, mais toute une flopée. C'est difficile à décrire, on dirait une sorte de tempête déchaînée. Je crois que c'est parce qu'il en est une. Phoenix Wright, vous me le paierez. On n'a jamais forcé à me dévoiler autant, mais j'emporterai le reste dans ma tombe. Tombe. Procureur Lamenoir, ceci est la barre des témoins. Ici, vous êtes tenu de dire la vérité. N'est-ce pas la loi de la salle d'audience?
Ces émotions sont complexes, elles semblent découler d'une seule et même source. Si vous voulez mon avis, ce qu'il a vu ce jour-là est à l'origine de toute cette pagaille. Voilà. J'assistais à une scène terrible. Ok. La malchance fit que Dr. Sack entra avant que je ne puisse emmener Athéna. J'ai pas eu d'autre choix que de tuer mon oncle. Vous avez ouvert la porte et vu Athéna, vos émotions ont pris le dessus. N'est-ce pas, procureur Lamanoir ? Vous n'auriez pas dû vous en mêler. C'est pathétique d'admettre cela, mais l'idée d'en parler me terrifie. Procureur Lamanoir, Mademoiselle Sykes est innocente. Je le crois du plus profond de mon cœur. Ne pourriez-vous pas croire en moi, vous aussi ? Athéna est innocente, vous dites ? Est-ce vraiment la vérité selon vous, Maître White ? Vous avez ma parole. Allez, dites-moi ce que vous avez réellement vu derrière cette porte. Soyez maudits. J'ai pas eu la fin. On est maudits, c'est tout ce que je sais. C'était une vraie tragédie que jamais je n'oublierai. Je suis entrée dans le laboratoire. Dr. Sykes était déjà décédé. Gisait sur la table d'opération et le katana ensanglanté se trouvait au sol. Et entre les deux, Athéna recouverte de sang. Elle m'a souri d'un air absent et m'a dit doucement : Oui, elle t'a dit quoi ? Maman, ah non, j'ai passé, vas-y, ça m'énerve. Maman avait un problème, je crois. C'est ce que j'ai vu. La voilà donc, la vérité que vous convoitez. Attends. Maman a un problème, je vais la désassembler pour la réparer. C'est cruel quand même. Nous révèle enfin la vérité pour nous dire ça. C'est confortable. J'ai essayé de désassembler ma mère. C'est qu'il est noir, faites attention quand même. J'espère qu'on l'a pas traumatisée. C'était donc moi, j'ai tué ma mère. Oulala. Comme je te l'ai dit, Wright, la vérité n'est pas toujours belle à voir. Un meurtre, une table d'opération, une scientifique qui se servait de sa fille. Il s'avère là que ma théorie était la bonne. Athéna n'approuverait pas les recherches de sa mère. Athéna n'approuvait pas les recherches de sa mère, mais comment osez-vous proférer de telles calomnies sur ma mentor ? Docteur Sykes n'était guère sociable. Ah, vas-y, j'en ai marre. Mais elle aimait sa fille de tout son cœur. Elle m'aimait ? Votre mère détestait vous voir souffrir à cause des voix que vous entendiez dans le cœur des gens. Pour vous libérer de cette souffrance, elle a travaillé sans relâche sur son projet. Vous vous souvenez de ce casque que vous méprisiez tant ? Oui, il me donnait d'affreuses migraines. Non, Athéna, c'est tout le contraire. Il émettait des ondes sonores qui annulaient l'apport émotionnel des voix que vous entendiez. Votre pouvoir était bien plus fort qu'aujourd'hui. Et ce casque vous a permis de vivre une vie à peu près normale.
Non, c'est pas vrai. Alors pourquoi? Pourquoi aurais-je fait une chose pareille à quelqu'un qui m'aimait? Son amour pour vous était bien réel, je peux vous le garantir. Je savais donc que tout ceci ne devait être qu'une erreur. Vous ne deviez pas en faire les frais. Alors vous avez endossé la responsabilité. Vous ressemblez beaucoup à votre mentor. Amitron avait tout vu, je l'ai donc mise dans le coffre et quitté le laboratoire en emportant Athéna. Je maintiens que c'est pas... Si c'est vraiment ça la vérité, c'est vraiment cruel quand même. De faire ça à une petite enfant. Oh. Ensuite, j'ai jeté Amitron dans le vide ordure de la salle de pré-embarquement et caché le coffre à roulettes à l'intérieur du centre spatial. Visiblement, nous disposons à présent de tous les faits sur cette affaire. Non, pas encore, ça peut pas finir ainsi. Ne vous déshonorez pas, Monsieur Wright, la vérité vient d'éclater au grand jour. Ou seriez-vous du genre à tourner le dos à tout ce qui ne va pas dans votre sens? Attends une fois, je vérifie un truc. Pas du tout. Mais c'est... Je ne baisserai pas les bras. Je dois dire quelque chose, quitte à bluffer. J'ai toujours réussi à m'en sortir comme ça par le passé. Il faut que ça marche. La défense est prête à présenter une preuve. Monsieur Wright. Oui, Athéna. C'est bon, vous pouvez arrêter. Je ne laisserai plus personne souffrir à cause de moi. Athéna, qu'est-ce que tu dis enfin? Elle maintient que le katana elle était quand même un peu trop grand pour elle. Hein. J'ai tué ma mère, c'est la vérité. Comme le dit le procureur Hunter, il faut l'accepter, même si c'est dur à entendre. Oula, mon micro qui capte des trucs. J'espère que ça vous embête pas trop. Je m'avoue coupable. Mais non. Mais pourrais-je au moins raconter ma version des faits? Mademoiselle Sykes semble bien plus téméraire que vous. Monsieur Wright, qu'en dites-vous, votre honneur? Compte tenu du courage de cette jeune fille, la cour la laissera-t-elle passer aux aveux? C'est d'accord. Veuillez vous présenter à la barre, Mademoiselle Sykes. Ok, on va te démonter. Démonter ton témoignage, rien à faire. Je vous remercie, procureur Hunter. Et merci à vous, Monsieur Wright et procureur Lamenoire, d'avoir fait éclater la vérité. Nous pouvons enfin aller de l'avant et mettre un terme à nos souffrances. Athéna, 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 Procureur Lamenoire sera gracié et l'âge sombre de la justice prendra fin. Oui, reconnaissez vos torts et faites cesser tout ceci. J'ai tué ma mère, mes souvenirs sont un peu flous, mais je m'en souviens très bien. Je me souviens encore du poids de l'arme dans ma main et de la sensation quand je l'ai frappée. Je me souviens de la chaleur de son sang qui ruisselait du manche jusque sur mes doigts. Votre honneur, déclarez-moi coupable. Je suis pas sûre. Si je puis dire, nous avons affaire à des souvenirs que seul assassin pourrait avoir. Je vois, merci pour vos avis. J'estime que ce procès n'a que trop duré. Mais avant de conclure, quelqu'un aurait-il un contre-argument? Oui. J'en ai un, votre honneur. Monsieur Wright. Mais monsieur Wright, pourquoi? Je l'ai tué, je m'en souviens maintenant. Ça ne sert à rien de contre-argumenter. Ne me dis pas que tu as oublié l'un des principes de base du métier d'avocat. Toujours avoir foi en son client. Athéna, tu n'es pas une meurtrière. Je vous dis souvent... Pardon. Je vous dis souvent que vous ne changez pas, mais auriez-vous régressé pendant ces 8 années? Il me fait rire. Je ne laisserai pas votre émotivité d'enfant faire obstacle à la vérité. Mon émotivité? Quel drôle de terme sermonne-t-il sur les émotions? Je suis capable de percevoir l'âme d'une personne. Cinq. Ça risque d'être chaud. On doit faire ça sans... être galère.
Même elle n'y a plus accès. Et s'ils sont toujours là et qu'ils n'ont pas changé, c'est qu'elle s'en souvient toujours pas. Ce n'est pas terminé. Au fond du cœur d'Athéna se cache peut-être un souvenir dont elle n'a pas encore conscience. C'est un peu comme chercher une étoile dans une galaxie, mais quand même. Ce souvenir pourrait comporter une nouvelle information qui prouverait son innocence. Pour notre bien à tous, j'espère vraiment que vous ne bluffez pas, Monsieur Wright. Bien, quel est le problème avec la confession de Mademoiselle Sykes? Si tes souvenirs sont un peu flous, déjà, tu ne peux pas t'en souvenir très bien. Déjà, puisqu'ils sont flous. Du poids de l'arme dans ma main et de la sensation quand je l'ai frappée. Je me souviens de la chaleur de son sang qui ruisselait du manche jusque sur mes doigts. Du manche? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Il y a bel et bien un truc qui ne colle pas dans son souvenir du crime, c'est flagrant. S'il y a quelque chose, je vous prie de le prouver. Est-ce là le katana que l'accusé a utilisé pour tuer la victime, Monsieur Wright? Avec tout mon respect à votre honneur, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Je me rappelle, je tenais là, mais j'avais du sang sur les doigts. C'est bien ce que je dis, si tu avais du sang plein les doigts, il devrait y en avoir sur le manche. Or, si vous observez le manche de ce katana, il ne comporte aucune trace de sang. Par conséquent, cette arme contredit clairement les faits. Vous avez raison? Oh, juste ciel. L'accusée s'est tout bonnement mêlé les pinceaux. D'après elle, ses souvenirs sont confus et nous ne pouvons pas ruminer sur chaque petit détail. Mais elle a aussi dit qu'elle s'en souvenait parfaitement. Ça change tout. Dans ce cas, je vous invite à nous expliquer cette contradiction. Volontiers, j'ai juste besoin d'un moment pour réfléchir. J'aimerais dire qu'Athéna n'a poignardé personne. Mais selon ses propos, elle se rappelle bien avoir commis l'acte. Allez, Phénix, serre-toi de ta tête. Que signifie cette contradiction avec les souvenirs d'Athéna? L'accusé a utilisé notre arme. Selon Mademoiselle Sykes, le sang a coulé sur le manche, mais celui du katana est immaculé. Alors, ne pensez-vous pas que l'accusé a utilisé une autre arme que le katana? Qu'est-ce que vous complotez? J'y voilà. Cette fois, j'ai trouvé comment faire sortir Athéna de son cauchemar. L'arme qui a ôté la vie à la docteur Sykes était le katana, c'est clair et net. Donc si je démontre qu'Athéna n'a pas touché à cette arme, je pourrais enfin prouver son innocence. Une autre arme? Mais laquelle au juste? Bah oui, il allait forcément me le demander. Vous semblez pédaler dans la semoule, Monsieur Wright. Auriez-vous encore parlé sans réfléchir? Comment fait-il ça? Mais je ne peux plus reculer, je vais tout donner. Oui, je l'avoue, c'est évident. C'est si évident qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir. Couis-je? Bon, j'ai peut-être un peu exagéré, mais il doit bien y avoir une possibilité. Une autre arme blanche se trouvait-elle dans le laboratoire de robotique ce jour-là? Je cherche. Les photos de la scène de crime pourraient m'aider. Minute papillon, il y a bien quelque chose. Il y a de fortes chances que cet objet se soit trouvé dans le laboratoire. Cette arme n'est pas dans mes preuves, mais j'ai mieux. Une pièce à conviction en tout point identique. À l'exception du katana, il y avait sûrement une autre arme blanche sur les yeux. Sur les lieux. Mais c'est l'arme du crime dans l'affaire de Pierre Therrien. Oui, il s'agit du couteau qui a tué Monsieur Therrien. Mais un couteau comme celui-ci devait se trouver sur la scène il y a 7 ans. Ces couteaux se trouvent dans des trousses à outils remises aux employés du centre. Et il est donc tout naturel de penser qu'il y en avait un dans le labo. Mais aucune arme blanche n'a été retrouvée sur les lieux. Cette information est inscrite dans le rapport d'enquête, au cas où vous n'étiez pas au courant.
Bien sûr que j'étais au courant. En vrai, je l'ai su à l'instant. J'ai une autre information pour vous. Alors, il y avait une trousse à outils sur la scène, mais aucun couteau à l'intérieur. Voici une photo de son contenu. C'est juste, je ne vois ni couteau ni lame. Ok, mais le motif sur ses manches me dérange un peu. Ouais, ils sont pas dans le bon ordre. Il n'y avait donc aucune autre arme tranchante dans la pièce. Vous avez tort, cette trousse à outils comportait un couteau. Mais êtes-vous en mesure de le prouver? Peut-être que vous n'êtes pas sensible à l'art, monsieur Hunter. Vous êtes bien le dernier qui devrait remettre en cause mon sens de l'esthétique. Allons, allons, il s'inquiète juste pour vous. Continuez, monsieur Wright. Des vrais enfants. Vous voyez comme les manches de ces outils comportent tous une sorte de... Ah oui, mais cela a-t-il une quelconque importance à notre affaire? Il manque un outil dans cette trousse. Si nous réorganisons les outils pour en faire un motif spécifique, nous pourrons découvrir quelle partie du motif est manquante. Est-ce la théorie que vous a présenté votre lamentable sens de l'esthétique? Hunter, laisse tomber, vieux. Dans ce cas, montrez-le à la cour. Quel est le motif? Quel motif devrions-nous voir en redisposant les outils? Je dirais celui-là, mais... Là, c'est plus clair. Que représente ce motif exactement? Le logo Gyaxa, votre honneur. On le retrouve sur tous les documents et brochures du centre. Comme vous le savez, Gyaxa est le programme qui gère le centre spatial Cosmos. Je vois, mais... Oui, avec les outils présents sur cette photo. Le A rouge du logo n'est pas visible. C'est là que l'arme du crime dans l'affaire Terrienne entre en jeu. Si nous placions le couteau dans l'emplacement libre... Le logo Gyaxa serait enfin complet. On dirait bien, cela signifie que... Avouez-le, monsieur Hunter. J'ai un sens de l'esthétique plus développé que le vôtre, et pendant que vous y êtes, reconnaissez que Mademoiselle Sykes aurait pu utiliser cette arme. Silence, silence dans la salle. Mademoiselle Sykes se rappelle avoir poignardé la victime. Il faut en convenir qu'elle a poignardé quelqu'un, avec le couteau de la trousse. Par contre, c'est le katana qui a servi à tuer le docteur Sykes. Donc, le coup à l'arme blanche dont se souvient Mademoiselle Sykes n'était pas porté à sa mère. Bien, imaginons un instant que Mademoiselle Sykes ait utilisé le couteau. Dites-moi, que cela change-t-il? Je demande pardon. Et si le katana n'était en réalité qu'un leurre pour cacher la véritable arme du crime? Et si la vraie arme qui avait tué notre victime était ce couteau? C'est ridicule, vous changeriez le fondement même de votre théorie. Je propose simplement une situation hypothétique qui coïnciderait avec votre raisonnement. Mademoiselle Sykes aurait pu mettre du sang sur le katana pour faire croire que c'était l'arme du crime. Ensuite, elle aurait gardé le couteau sur elle jusqu'à ce que la main noire ait l'évacue de la scène. Voilà qui explique la contradiction entre les souvenirs de Mademoiselle Sykes et les preuves. Si l'arme du crime était bien le couteau, le destin vient de vous jouer un mauvais tour. Puisque votre raisonnement vient de nous prouver l'existence de ce couteau. L'accusation essaie d'orienter le procès. C'est vous qui essayez de jouer le procès, monsieur Wright. Vous nous forcez à négliger les faits de cette affaire. Je vous rappelle qu'il n'y avait que deux personnes dans le laboratoire lors du meurtre. Et que l'accusé a avoué avoir poignardé quelqu'un de son propre chef. Dans cette histoire, l'arme du crime importe peu. Tant que nous savons que la victime et l'accusé étaient seuls dans la pièce.
Vous ne pouvez réfuter le fait qu'Athena Sykes a assassiné sa propre mère. Je n'en crois pas un mot. Pourquoi est-ce si dur? Les incohérences disparaissent aussitôt que je les trouve et les soupçons reviennent à la charge. Je dirais presque que... C'est enfin rentré dans votre crâne. Les contradictions s'évaporent séance tenante car les accusations sont fondées. Les soupçons ressurgissent sans cesse puisque l'accusé est bel et bien coupable. Quand ouvrirez-vous les yeux et accepterez la vérité? C'est impossible, je veux pas y croire. Peut-être que... Monsieur Wright, vous vous êtes bien battu. À mon sens, vous avez fait tout votre possible. J'y réfléchis. La capitulation serait la seule option, alors? Non, réveille-toi, Phoenix. Depuis quand tu doutes de toi? Il n'y a pas de retour en arrière possible, je dois avancer. Non, votre honneur, attendez, c'est pas fini. Wright, je ne peux pas perdre de vue l'essentiel. Je crois en Athena et je croirai toujours en elle jusqu'au bout. Un avocat n'abandonne jamais ses clients. Je vais relever la tête et tenir bon. C'est le moment de faire chauffer tes méninges, Phoenix. Si je ne vois pas de solution, je reviendrai un peu en arrière pour en trouver une. L'heure est venue de réexaminer méticuleusement toute cette affaire. Non, lui aussi, il a ça. Je veux bien admettre qu'Athena a poignardé quelqu'un avec le couteau. C'est sûrement là qu'Amitron a vu le câlin d'Athéna. Le procureur Lamenoir n'a pas remarqué de couteau sur la scène. Cela signifie que quelqu'un l'a pris avant son arrivée. Qui aurait pu s'emparer du couteau dans le laboratoire? Une tierce personne était sur les lieux. Si j'ai foi en Athéna, la seule conclusion est qu'une tierce personne était sur les lieux. Et selon les témoignages d'Amitron, Athéna et sa mère étaient seules. En ce cas, comment cette tierce personne a-t-elle fait pour passer inaperçue? Je sais, cet individu a dû tromper la fonction de reconnaissance faciale d'Amitron en couvrant son propre visage. Une petite seconde, Amitron possède aussi un capteur de rythme cardiaque. Même s'il avait couvert son visage, Amitron aurait détecté sa présence. Mais il n'aurait pas su qui il était. Oh, mais bien sûr! Pour rester incognito, le coupable aurait caché son visage et se serait fait passer pour... Si le coupable a fait croire qu'il était la victime, cela expliquerait pourquoi Amitron pensait que seule Athéna et sa mère étaient là. Il n'avait qu'à exploiter les fonctions de la reconnaissance faciale d'Amitron. L'assassin s'en est servi afin de se faire passer pour la victime. Savès. Le coupable s'est fait passer pour la victime en portant sa veste, celle avec le badge. C'était sans compter le capteur de rythme cardiaque. Comment l'assassin l'a-t-il contourné? Cela n'aurait pas marché si Amitron pouvait détecter les battements de cœur de la Dr. Sykes. Dr. Sykes était-elle donc déjà morte à ce moment-là? Si tel est le cas, qui Athéna a-t-elle poignardé? Le vrai coupable. Athéna a poignardé le vrai coupable. Mais oui, voilà! Athéna n'a pas poignardé sa mère. Elle a attaqué celui qui l'a assassiné. Le même qui a usurpé son identité. Le véritable coupable. Maintenant que M. Wright a terminé sa petite réflexion, ce procès peut enfin s'achever. Veuillez nous donner votre verdict, votre honneur. Nous pourrons ensuite libérer les otages. Vous avez parfaitement raison, procureur Hunter, je déclare. Je n'ai pas terminé, je faisais juste une courte pause. Je viens de réaliser un fait si choquant qu'il m'a fallu un moment pour la digérer. Mais je suis persuadée que Mademoiselle Sykes est innocente. Mais Amitron m'a vu, elle a assisté au crime. Oui, Amitron a vu quelque chose, le câlin. C'est-à-dire le moment où tu as utilisé le couteau. Mais tu n'as pas poignardé ta mère. Que dites-vous, Monsieur Wright? La réponse est simple. Mademoiselle Sykes a poignardé une tierce personne qui se faisait passer pour le Dr. Sykes. Comment? Pensez vraiment que nous allions gober vos salades, Monsieur Wright?
D'après les dires du robot, il n'y avait pas de tierce personne. On cherchait à gagner du temps, rien de plus. C'est comme ça qu'on gagne nos affaires. Hein. Je dis ça, je dis rien. Après tout ce que nous avons traversé, monsieur Hunter, vous me décevez. Vous devriez savoir que mon sourire témoigne de ma confiance absolue. Ah ça, vous abordez toujours ce sourire narquois, quel que soit les faits. Étrange dysfonctionnement du calamitron. Monsieur Terrien, vous avez l'air un peu pâle. Dois-je vous emmener à l'infirmerie? Monsieur Terrien, tu parles à Apollo? Ah oui, cette affaire a tendance à confondre Apollo et Pierre. Peut-être qu'Apollo est possédé par le fantôme de Pierre. C'est un autre cas d'erreur d'identité dû au badge d'une veste. Apollo portait un cache-œil, Calamitron n'a pas réussi à le reconnaître. Comme l'a dit Monsieur Hunter, un masque pourrait biaiser la reconnaissance faciale. Ensuite, l'assassin n'avait plus qu'à enfiler une veste avec le badge de la victime. Frôlons le ridicule, à quoi pourrait bien servir ce déguisement? Ne vous souvenez-vous pas que le robot est doté d'un capteur de rythme cardiaque? Si une tierce personne était présente, le robot l'aurait immédiatement détecté. Pardonnez-moi, Monsieur Hunter, mais votre argument compte pour du beurre. Car à cet instant précis, le cœur de la Dr. Sykes avait déjà cessé de battre. Quoi? Cela voudrait-il dire que... Oui, Monsieur le juge, Mademoiselle Sykes a poignardé cette tierce personne qui se faisait passer pour le Dr. Sykes, et qui n'est autre que le véritable assassin de sa mère. Mais c'est pas vrai. Un masque? La personne que j'ai poignardée portait un masque? Du calme, je vous prie. Mademoiselle Sykes, vouliez-vous dire quelque chose? Un masque? Oui, je me souviens de... Ah! Athéna, qu'est-ce que tu as? Un des verrous piqués? S'il te plaît, ouvre-toi, mais ne t'éclate pas. Je me rappelle un homme avec un masque. Comment a-t-il pu... Qu'a-t-il fait à ma mère? Ma tête, j'ai mal. Mademoiselle Sykes, tout va bien? Non. En criant. Les verrous psychés noirs. Ils se brisent. Voilà. Il y en a deux, il y en a trois. Il y en a quatre. Il y en a cinq. Tant que ça la traumatise pas. Tu vas bien? Ça me revient. Tout ce qui s'est passé le jour où ma mère a été tuée. Ils ont disparu. Les verrous psychés noirs se sont envolés. De manière assez brusque quand même. Hein. Tu n'as pas pour rien dire ta mère, Athéna. Ça va aller. Raconte-nous ce dont tu te souviens. J'étais en train de dessiner. Après ça, je suis allée montrer mon dessin à ma mère. J'ai ouvert la porte et... Tout va bien. Je suis là. Tu ne crains plus rien, Athéna. Elle était par terre, près de l'établi, le katana planté dans sa poitrine. Un mouchoir couvrait son visage, mais j'ai reconnu ses vêtements. Et il y avait un homme dans la pièce. Un homme. Un peu de silence, votre honneur. Continue, Athéna. Oh non. Il a essayé de s'en prendre à moi. J'ai paniqué, puis j'ai pris un couteau et... Il a d'abord esquivé. Je n'ai réussi à toucher que ses vêtements, mais j'ai insisté. Et cette fois, tu as réussi à l'avoir? Oui, je m'en souviens à présent. Le couteau l'a touché au dos de la main. Après ça, il m'a frappé et je me suis évanouie. Couteau mis à jour dans le dossier de l'affaire. Oui, enfin bon, à la base, celui-là, c'était pour machin terrien, non? J'ai repris connaissance. Ma mère ne bougeait toujours pas. Je devais agir. Je me suis dit qu'il fallait la réparer. J'ai donc demandé à Mitron de la placer sur la table d'opération. Et ça, on a déjà vu. Je vais plus revoir cette phrase. Je comprends mieux pourquoi elle a dit ça. Votre honneur, comme vous le voyez, l'accusé nous a donné un nouveau témoignage capital. Un homme était là avant l'arrivée de Mademoiselle Sykes. Il a couvert le visage de la victime et porter la veste de cette dernière. Cet homme est le vrai coupable. Mademoiselle Sykes, avez-vous une idée de qui cet homme pourrait être?
aucune. Tout à l'heure, Mademoiselle Sykes a parlé d'un masque. Athéna, que peux-tu nous dire à ce sujet? Oui, le masque. C'était le masque de Noh, de ma mère. Okay. Il me semble qu'il était accroché au mur du laboratoire. Oh, ce masque accroché au mur? Ça me faisait un peu peur. Ma mère disait que ces masques pouvaient transformer une personne ordinaire en fantôme. Un fantôme? Je crois bien. Un nouveau suspect vient d'apparaître. Par conséquent, les soupçons qui passent sur Mademoiselle Sykes... Voilà, voilà pourquoi je ne fais pas confiance au système judiciaire. Mais ta gueule, en fait. C'est le seul verdict admissible. Ouais, ouais, c'est ça. Mademoiselle Lamenoir. Voilà. Nouveau suspect, comment pouvez-vous prouver l'existence de cet individu? Qui sait, ce n'était peut-être qu'un rêve imaginé par notre petite princesse. Ah, elle est chiante, celle-là. On n'a pas de preuves concrètes sur cet homme masqué. Merci, Monsieur Wright. Vous avez vraiment tout donné pour moi et je vous en suis reconnaissante. Et tout va bien désormais. Je peux affirmer avec en toute certitude que je n'ai pas tué ma mère. Ni la Lamenoir, d'ailleurs. Mes souvenirs continuent à ressurgir. Alors, je tiens à ajouter une chose. Amitron est arrivé au laboratoire aux environs de 14h pour se recharger. Je vois où tu veux en venir. Si Maman Métis était en réalité le tueur déguisé. Oui, à coup sûr, il est entré dans le laboratoire de robotique avant 14h. Est-ce que j'ai une preuve qui m'aiderait à trouver cette personne? Ah oui. Ici, le procureur Lamenoir quitte la scène après l'incident vers 15h. La vidéo ne montrerait-elle pas quelqu'un d'autre passé par là avant ça? Je ne vois rien dans le rapport d'enquête, personne n'a vérifié. J'en étais sûr. Si nous reculons l'enregistrement pour regarder à 14h, nous devrions voir le vrai coupable quitter la scène de crime. Entendu, faisons cela. Là, stoppez l'enregistrement. Vous avez vu juste, un homme quittait la scène. Un homme quitte la scène. Mademoiselle Sykes, vous souvenez-vous de cet individu? C'est lui, j'en suis certaine. Il porte la veste de ma mère. Oui, mais ce que je voulais vraiment voir, c'était sa veste. Tenez, voilà la taille que je lui ai faite avec le couteau. Et je suis sûre qu'elle cache le dit couteau quelque part sous sa veste. Donc tout ce que Mademoiselle Sykes a dit... Oui, la mémoire de Mademoiselle Sykes ne le faisait pas défaut. L'assassin de la Docteur Sykes a fait irruption dans le laboratoire de robotique avant 14h. Il l'a tué, puis a caché son visage avec un mouchoir. Enfin, il s'est déguisé avec la veste de la Docteur Sykes et un masque trouvé dans le laboratoire. Le coupable devait déjà savoir qu'Amitron se rechargeait chaque jour à 14h. Il a donc attendu qu'Amitron arrive au laboratoire pour se recharger quotidiennement. La veste sur lui, il a fait croire à Amitron qu'il était Dr. Sykes. Il voulait faire croire qu'il était encore vivante. Tout ceci lui a permis de truquer le vrai moment du meurtre. Votre théorie est fort sympathique, Monsieur Wright. Dommage qu'elle soit irréaliste. Pourquoi ça? La veste de la victime apparaît clairement sur cette photo. Voilà exactement ce qui pose problème. Le badge sur la veste trouvé dans le labo nous confirme qu'elle appartenait à la victime. Si l'individu qui a quitté la scène portait vraiment la veste en question, comment se serait-elle retrouvée sur la scène du crime? Qu'est-ce que ça veut dire, cet insensé?
À dire d'ivresse, le coupable portait la veste. Comment est-elle revenue au labo? L'assassin l'a rapporté, la victime l'a rapporté, l'accusé l'a rapporté. Ah, l'assassin l'a rapporté. Le tueur s'est servi de la veste pour s'échapper, mais pour couvrir ses traces, il a dû la rapporter sur la scène de crime. Le coupable est tout bonnement retourné au labo pour la remettre. Voilà qui résout l'incohérence. J'ai peur que cela ne soit impossible. Les seules personnes à être entrées dans le laboratoire de robotique après le tueur étaient le procureur à la main noire et les employés qui ont signalé le cadavre. Et d'après eux, la veste était là à leur arrivée. Selon vous, à quel moment cet homme mystérieux aurait-il pu remettre la veste à sa place? C'est déconcertant. Pour le coupable, a-t-il eu l'occasion de rapporter la veste lors de la découverte du cadavre? On n'a qu'une chance sur deux, de toute façon. Le coupable n'aurait pu reposer la veste que lors de la découverte du corps. Monsieur White, comprenez-vous l'implication de vos paroles? Oui, mais lorsqu'on tombe sur un meurtre, on se focalise tout de suite sur le cadavre. Le coupable aurait pu profiter de ce court instant pour replacer la veste. Autrement dit, cet homme que l'on surnomme le fantôme faisait partie des premières personnes à découvrir le corps. Je n'y aurais jamais pensé. Silence, un peu de calme. Enfin, que se passe-t-il, procureur Hunter? Le cadavre a été découvert puis signalé par 3 personnes. Elles étaient là pour récupérer la capsule de la sonde spatiale en vue du lancement de la Hat 1. L'une de ces personnes avait un sac spécial dans lequel transporter la capsule. Oh, vous voulez parler du sac anti-choc? Exactement. J'imagine que si la veste se trouvait à l'intérieur de ce sac, elle aurait pu regagner la scène de crime sans que personne ne s'en rende compte. Je vais vous fournir des rapports sur ces 3 personnes. Vraiment? Nous devrions aussi consulter la base de données du système de reconnaissance faciale du robot. Si cet individu a eu besoin de masquer son visage, ces données étaient sûrement déjà enregistrées dans le robot. Procureur Hunter, cela veut-il dire? Je dois admettre que les souvenirs de Mademoiselle Sykes m'ont l'air crédibles. Bravo, White. Mais de toute façon, ce n'était pas un vrai procès. Ai-je bien entendu, Procureur Hunter, vous décidez d'abdiquer? Il aime pas perdre. T'as quand même perdu. C'est vrai, patron, ça signifie que je suis... Non, mais à part, c'est fini, j'ai gagné. J'ai réussi à prouver l'innocence d'Athéna et du procureur à la manoir. Ah ouais, sur cette affaire, il n'est pas qu'il y a d'autres aussi. Votre honneur, ce procès n'a que trop duré. Pas si vite, monsieur White. Vous semblez avoir oublié qui dirige ce procès. Ah oui, c'est vrai. En effet, cette réplique me revient. Ce procès n'a que trop duré. Non plus, votre honneur. Silence, je vous prie. Petite princesse à sa maman qui lui a rendu son amour en l'assassinant. Pendant des années, ma haine envers Athéna était la seule chose qui me faisait tenir. Que faire maintenant? Dites-le-moi. Je n'ai plus rien à quoi me raccrocher. Mademoiselle Amenoir. Ça m'étonne de toi, Aurore. Mais si t'étais passionnée par son travail, elle t'a choisi comme partenaire. C'est la ferme, Jack. Je sais très bien ce que je ressentais pour elle. Je ne voulais pas seulement qu'elle me respecte en tant que collègue. Qu'attendiez-vous d'elle, alors? Curiosité est un vilain défaut, monsieur le juge. Aurore, si tu veux bien m'écouter, j'ai une confession à faire. J'ai en ma possession une piste sur l'assassin de Métis. Ah bon? Maître White, vous m'avez demandé qui était le fantôme d'il y a un coup. C'est exact. Le fantôme, celui que la main noire traque sans relâche, même derrière les barreaux. Il y a 7 ans, quelqu'un a voulu saboter la fusée Hat 1. L'espion? Ce n'était pas un espion comme les autres. Nous ignorons tout de lui, jusqu'à son apparence. Nous en sommes venus à le surnommer le fantôme. À l'époque, je travaillais avec la police pour le traquer. Un jour, l'impensable se produit. J'ai trouvé une piste sur lui. Oh, c'est palpitant. Et quelle était cette piste? Un enregistrement de la voix du fantôme, mais sa piètre qualité rendait toute analyse impossible. Un espoir demeurait. Aurore avait une collègue capable d'analyser les émotions humaines. Je lui ai donc demandé d'examiner l'enregistrement grâce à la psychologie analytique. Cette scientifique... Ce n'était autre que Dr. Sykes? Oui, la plus grande peur d'un espion est de voir son identité révélée. Il avait sûrement aussi pris pour cible les résultats de la Dr. Sykes et l'enregistrement. Mais comme sa fouille du centre spatial s'est soldée par un échec, il a dû paniquer. Il ne les a pas trouvés? Où pouvait-il bien être? Allez savoir. Ouais, je parie qu'il les a gardés précieusement pendant tout ce temps. Comment avez-vous fait pour emporter ces documents en prison?
Oh, je sais y faire. Qui plus est, mon partenaire est un as en la matière. Pour appâter le fantôme, j'ai répandu des rumeurs dans le milieu. On m'a même autorisé à mener l'accusation sur des affaires pour attirer son attention. Narguer ce macabre bouché avec ses documents, telle était ma façon de le provoquer. Qu'en était-il des résultats de la Dr. Sykes, dont il était utile? Tenez, vous n'avez qu'à y jeter un coup d'œil. Y jeter un œil. Mais prenez-en le plus grand soin, c'est tout ce qui me reste de ma mentor. Bien sûr, je n'ai pas intérêt à renverser mon café dessus. Profil psychologique du fantôme ajouté au dossier de l'affaire. Interesting. Empreinte émotionnelle vocale extrêmement inférieure à la norme. Le sujet est capable de camoufler son état d'esprit presque sans variation émotionnelle. Sans variation émotionnelle ? Un esprit incapable de ressentir la moindre émotion, ni tristesse, ni rage, ni peur. C'est la définition même d'un fantôme, d'un véritable monstre sans cœur. Comprenez-vous ? C'est cette abomination qui a détruit nos vies. Elle est la source de tous nos maux. Un véritable fantôme. Son surnom, lui, va comme un gant. Très bien. Nous en savons encore trop peu sur cet homme. Je vous invite tous à mener une enquête approfondie à ce sujet. Bien que ce procès ne soit pas officiel, je tiens à suivre le protocole. Si vous me le permettez, j'aimerais rendre mon verdict et clôturer la procédure. Je m'en fiche, fais ce que vous voulez. Je n'ai aucune objection. Allez-y, votre honneur. C'est terminé. Enfin terminé. Oui, pour cette affaire. On a la suite à faire, quand même. Entendu. Dans ce cas, procureur Lamenoir, venez à la barre. Ce procès nous a prouvé votre innocence. J'annule donc le verdict rendu il y a 7 ans. Passons maintenant à l'accusée de ce procès-ci, mademoiselle Athena Sykes. Oui, votre honneur. Monsieur Wright, merci pour tout. Athena, je suis content d'avoir pu t'aider. Si tout le monde est prêt, je vais rendre mon verdict. Oh, encore qui? Quoi? Pourquoi? Vous? Oh, t'es chiant. Apollo? Que cela signifie-t-il? Toutes mes félicitations, Néanmoins, je ne vous laisserai pas clore ce procès. Oh, il est chiant. Faut pas s'occuper de l'autre procès après. Oh, il est là. Bref. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on aura le fin mot de l'histoire, je pense. Ça sera probablement sur l'affaire de son pote, là, je suppose. Après, ça m'étonnerait pas que ce soit son pote qui ait tué la... Enfin, bref. Je vais pas spéculer, mais ça m'étonnerait pas que ce soit son pote qui ait tué la mère. Bref. La semaine prochaine, on verra donc la fin de ce jeu, normalement, j'espère. J'ai hâte de savoir la suite. Bon, là, je pourrais pas enregistrer directement à la suite le dernier épisode, donc... Du coup, je suis tristesse parce que j'ai très envie de savoir, mais vu que je travaille demain, je suis obligée de m'arrêter là. Du coup, semaine prochaine, dernier épisode, dernière partie de l'épisode 5. Et ensuite, on pourra entamer, normalement, sauf s'il y a un autre épisode, on pourra entamer le dernier opus de la trilogie Absolute Justice. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine. Bye bye!